Alors, des différences par rapport au travail, oui, évidemment. Il y a plus de travail, mais c'est aussi parce qu'au lycée, généralement, les gens qui viennent en prépa sont plutôt bons au lycée, donc c'est un peu plus facile. Et en prépa, il faut vraiment s'y mettre et on n'a pas trop le choix. Les relations avec les professeurs, oui, aussi, parce qu'il y a beaucoup plus d'aide et de soutien de la part des professeurs qu'au lycée, parce que c'est plus nécessaire, forcément, donc c'est un peu plus dur. Direct, il y a beaucoup plus de travail qu'au lycée parce que en fait le bac c'est pas du tout un concours et quand on passe un concours bah on est vraiment en concurrence avec les autres quoi donc il faut être le meilleur alors qu'au lycée il faut plutôt avoir la moyenne à la base. Alors dans les relations avec les professeurs pas vraiment, je pense que les professeurs surtout de Carnot sont assez disponibles. Au niveau du travail oui, bon, beaucoup de travail en autonomie, retravailler les cours par soi-même. En termes généraux, par contre, c'est vrai que quand on est bon au lycée, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ça ne marche plus en prépa, si on travaille correctement. Alors, au niveau des profs, ils nous encadrent plus, c'est sûr. Ils sont d'une certaine manière plus proches que nous, de nous, mais non, il n'y a pas de réelle différence avec le lycée, à part qu'ils nous mettent peut-être un peu plus la pression. Mais non, sinon, puis on s'entend bien avec, ils sont là pour nous aider, il n'y a pas de souci sur ça. Dans toutes les matières, on a beaucoup plus de travail, et de toute façon, on ne peut pas vraiment tout faire, il faut essayer de hiérarchiser un peu les devoirs qu'on a en priorité à faire. Et plus tâche qu'au lycée, en prépa. Voilà, les profs ont des attentes encore plus élevées qu'au lycée. Et ils donnent beaucoup de travail avec l'école qui s'ajoute, plus les DS ou les samedis matins, donc l'école deux fois par semaine. Donc c'est important d'être bien organisé aussi chez soi. Et de... Bah franchement dans ma promo ça allait. Enfin je veux dire, après on se fait des copains et tout, donc forcément on pense plus à ça quoi. Non. Pas de compétition, il y a le classement bien sûr, donc on regarde un peu où sont ses potes, où on est situé par rapport à ses potes. Le classement fait mal, surtout au début, mais après c'est plus personnel quoi, c'est plus toi comment tu le vis, mais c'est pas, il n'y a pas de compétition entre les gens, il n'y a pas de oh là là, toi t'es premier, la honte, enfin c'est vraiment pas ça, au contraire c'est plutôt de la solidarité. Les majors vont aider les derniers, enfin voilà, c'est plus dans ce sens là. Non, je pense pas. Bien sûr, on a le classement, donc il y a toujours une émulation. Après, on nous a tout de suite dit qu'en prépa, si on voulait réussir, c'était beaucoup mieux de travailler avec les autres. Au moment du concours, on est tous un petit peu concurrents, mais on veut aussi que la classe ait de bons résultats. Donc, je pense pas que la compétition se fasse ressentir vraiment. On s'entend super bien, on s'entraide et tout. Après, il y en a peut-être certains qui sont plus dans l'optique, oui, d'être en compétition, mais en général, non, on a une bonne place et on s'entend bien. Si on veut réussir, c'est ensemble en fait. On peut pas... Je m'attendais à plus de compétition entre les élèves, je m'attendais à moins de soutien de la part des profs. C'était très dur au début, mais avec le soutien des élèves, des profs, en fait, ça va. Tout le monde te dit la prépa, c'est trop dur et tout ça. Mais en fait, ça allait. En fait, c'est dur, ok, mais on s'y fait. On prend trop de rythme. Quand je suis passée en HEC, peut-être parce que c'était déjà ma deuxième année, mais ça ressemblait déjà plus à ce à quoi je m'attendais. Le travail me semblait un petit peu là. La quantité de travail me semblait un peu plus raisonnable. Et oui, globalement, il n'y avait pas de grosses surprises. Même si j'ai dit que j'avais trouvé ça un peu dur en BL, mais en termes d'ambiance, par exemple, on donne une image de la prépa qui est un peu moins sympa. Et non, la prépa, c'est vrai que... Il n'y a pas de raison pour ne pas aimer. Avec des recruteurs et des entreprises, parce qu'ils ne voient pas du tout les choses de la même manière. Je pense que ça t'apporte une manière de travailler. Et aussi sur le CV, c'est vachement valorisant d'avoir fait une prépa. Vraiment. Honnêtement, non. Je faisais de la danse, j'ai fait de la danse 15 ans avant la prépa. Je voulais passer mon code aussi, mon permis, faire tout ça, j'ai pas pu. Après c'est un choix aussi, je sais qu'il y en a qui le faisaient, moi j'ai préféré me concentrer sur le boulot, sur le travail. Et c'est 2 ans, donc c'est pas si long. Hein. J'ai pas pu faire tellement d'activités extrascolaires, non, parce qu'on a cours toute la journée.
et le soir on a des cols, donc on n'a pas vraiment le temps en fait. Surtout qu'on a cours le samedi matin, donc juste si tu veux rentrer voir tes parents le week-end, tu prends genre 2-3 heures de trajet minimum, et du coup t'as pas vraiment le temps de... tu te poses quoi, t'es fatigué et tout, t'as pas vraiment le temps de faire autre chose à côté. Alors c'est vrai que j'en avais pas trop des activités extrascolaires, donc j'ai un peu... Je dirais que non, mais ça vient de moi je pense. Et quand on a une passion en dehors de la prépa, je pense que c'est largement faisable de l'entretenir. Et surtout c'est conseillé, parce que quand on a des entretiens à la fin pour les concours, c'est toujours bien vu d'avoir su conserver ces activités en plus du travail que demande la prépa. Donc je pense que si j'en ai pas eu, c'est que ça venait de moi et que j'en avais pas vraiment besoin. J'ai dû arrêter le basket parce que niveau entraînement et tout ça collait pas, faut vraiment... ça prend 2-3 heures par semaine, donc je pouvais pas me permettre de pas bosser. Mais par contre, oui, tu vois tes potes et tout, il n'y a pas de souci, mais après, il faut vraiment bosser à côté quand tu sors. Auparavant, je faisais du judo à peu près 3 fois par semaine. Maintenant, je fais plus qu'une fois par semaine. Enfin, j'essaye, parce que des fois, c'est pas facile avec l'école. C'est vrai que maintenant, c'est plus compliqué de faire une activité, mais bon, faut toujours essayer de se garder un petit temps pour décompresser. Assez vite en fait. Au départ, je voulais faire une école de commerce. Du coup, j'ai regardé les différentes voies qui étaient proposées et je me suis rendu compte qu'en faisant une prépa, c'était quand même la meilleure voie pour faire ça. C'était vraiment plus adapté, selon moi. Alors en fait, moi, j'ai fait les portes ouvertes en début d'année quand j'étais en terminale. Et c'était la prépa, j'ai fait que cette prépa-là en porte ouverte et elle m'a plu dès le début, quoi. Les profs m'avaient convaincu de venir ici et je pensais que c'est ce qui me convenait le mieux, quoi, pour réussir mes concours. Oui, on a étudié le programme qu'il fallait et du coup je me suis senti prêt à la fin pour passer les concours aux écoles de commerce. Une méthode de travail à m'organiser. C'est peut-être un cliché, mais en prépa, on a des exigences à très court terme avec l'école, les devoirs du samedi matin. Et on a beaucoup de choses qui viennent d'un coup, et avec l'aide des professeurs et puis des autres étudiants en prépa, on apprend véritablement à s'organiser pour être le plus efficace possible. Alors là, ça dépendait en fait des colleurs. Au départ, c'était assez stressant de passer l'école, mais la plupart du temps, l'école c'est par groupe de 3. Ça nous permet de bien revoir certains points du cours, les profs nous permettaient de nous expliquer, de clarifier certains points. Et à chaque fois, c'était vraiment utile. Par exemple, en col de maths, si on ne comprenait pas, c'était une source de tension, parce que du coup, on peut avoir une mauvaise note, mais à la fin, on sortait de la colle, on avait appris beaucoup de choses. Et c'est ça l'objectif en prépa. On avait des bonnes conditions de travail. Après, je pense que, comme dans toutes les prépas, il y a quelques petits problèmes d'organisation. Mais globalement, on avait de bonnes conditions de travail. Les profs étaient disponibles. À chaque fois, si on avait besoin d'aide, on pouvait envoyer un mail. Les profs étaient disponibles après les cours, après l'école. Donc on était dans de bonnes conditions de travail pour préparer les concours. Au départ, je voulais plutôt travailler dans la finance. Mais c'était assez abstrait pour moi, j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances. Donc je m'étais dit, je vais faire une prépa, puis après, ensuite, j'aviserai sur l'école. Et j'avais pas vraiment d'école en tête. J'ai regardé les classements sur l'étudiant, puis j'ai regardé laquelle était la meilleure. Puis après, durant mes années de prépa, on a eu plusieurs interventions grâce à Carnot d'école, d'anciens étudiants qui venaient, qui nous expliquaient les spécificités des écoles. Et c'est là qu'on a pu se faire que chacun en prépa puisse faire une idée plus claire de ce qu'il attendait en école. De se sentir prêt, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la prépa, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais globalement, j'ai passé 2 très belles années ici, et c'est vraiment une très bonne expérience. Et il faut juste s'attendre à avoir beaucoup de travail, mais il y aura aussi beaucoup de très bons moments.
Donc il ne faut pas, avoir peur et il faut juste être prêt à travailler pendant 2 ans. Et, mais en tout cas, ça en vaut vraiment le coup. Je referai peut-être pas la même prépa, je sais pas. Mais je referai ma prépa à Carnot. Ouais.